Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il faudrait entendre aujourd'hui pour vous dans ce tirage. Vous avez ici le numéro 16 avec le Tao, l'enthousiasme. Après une longue phase de maturation, c'est le moment de contentement, des plaisirs, voire de la fête. La période à venir annonce de nouvelles aventures, un changement de travail ou un voyage. Soignez la phase des préparatifs. Ne vous laissez pas déborder par les aspects favorables de la situation. Avancez, au contraire, posément et tranquillement. Les opportunités qui se présentent sont plaisantes, mais pas nécessairement vouées à durer longtemps. Plaisir de l'instant. Et vous avez avec ça le 1 des clés, c'est-à-dire l'architecte avec notre oracle akashique. Donc il y a bien quelque chose qui se construit, mais ce que je sens, c'est beaucoup de plaisir. Dans la construction, c'est vraiment quelque chose qui, sur le moment, est super intéressant. En fait, ça va déborder de belles choses, de bonnes choses, ça va déborder de la richesse, ça va déborder de la... Enfin, vraiment, il y a cette idée d'abondance. Ça déborde de plaisir, d'enthousiasme. Et ici, vous avez ensuite le 9 de denier, vous avez la mort, vous avez le 4 de bâton et vous avez le page de bâton. 9 de denier nous parle de plaisir, de confort, de zone de confort dans une situation. La mort nous parle d'une transformation, donc vous êtes tout à fait à l'aise avec cette transformation, vous êtes tout à fait à l'aise avec cette opportunité parce que vous êtes très ancré. Ce page de bâton semble être ancré ici et maintenant, il semble être ancré dans sa connaissance, il semble ancré dans l'information, il semble ancré dans quelque chose en fait qu'il maîtrise parfaitement. Vous avez 10 d'épée ici. Ce 10 d'épée nous parle effectivement de la fin d'une méconnaissance, d'une incertitude, la fin d'une situation qui peut-être était un peu problématique par moment. Mais là, justement, vous allez pouvoir comprendre, saisir et vous ancrer dans une connaissance qui est parfaitement maîtrisée. Ce côté architecte nous dit que vous maîtrisez une situation parfaitement bien et vous avez ce 2 de coupe qui nous parle aussi d'un émotionnel purifié, d'un émotionnel prêt, d'un émotionnel complètement en accord avec ce qui se passe. On vous sent confortable, très très confortable, tant matériellement qu'émotionnellement dans cette affaire et c'est ce qui vous permet de vous libérer au plan mental. Vous avez l'as d'épée, exactement. Vous êtes chez vous, c'est votre zone de confort, c'est votre moment, c'est votre destin. En fait, vous le maîtrisez et vous le savez et vous le comprenez comme ça. Vous avez parfaitement compris que ce 5 de coupe pour vous est terminé, que ce 5 de coupe pour vous, c'est du passé, c'est-à-dire que vous avez fait le deuil, que vous allez pouvoir avancer sans difficulté. Page de denier, excellent. Ce page de denier nous parle d'une transformation grâce à une opportunité qui vient de l'extérieur. Le monde, l'univers, vous apporte quelque chose, vous apporte cette opportunité, cette possibilité qui en fait pour vous ici avec ce 9 de denier est accueilli avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de gratitude, je sens beaucoup de gratitude ici, sur le fait que voilà, je vais pouvoir enfin achever quelque chose, je vais pouvoir enfin parachever quelque chose, je vais enfin pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose, je vais pouvoir enfin dire, raconter et manifester ici et maintenant. Cette de denier nous dit oui, vous allez pouvoir non seulement manifester, mais vous allez pouvoir aussi très rapidement obtenir des résultats et très rapidement voir grandir, croître, parce que dans ce 7 de denier, il y a cette idée de croissance, croître quelque chose et c'est ce qui va conduire à l'apaisement de ce mental, à l'apaisement et à la sortie de ce 10 d'épée pour aller vers cette as d'épée, c'est-à-dire la clarté et une connaissance claire. 8 de bâton. Celui de bâton nous dit quoi ? Bah que vous comprenez, vous captez très vite les messages de l'univers. Je pense que vous allez être très très ouvert à la synchronicité et vous allez très très vite capter en fait, quelle est la direction à prendre, quelle est la direction à impulser et comment agir pour réussir. Et vous avez cette reine de bâton qui, elle nous dit, bah oui, il n'y a aucun problème dans cette affaire, il n'y a aucune difficulté parce que vous semblez être parfaitement et complètement dans votre milieu. C'est pas lourd, c'est pas compliqué puisque la lourdeur va s'en aller. Une énergie lourde va disparaître et comme si elle n'avait jamais existé, se défaire et vous avez ce 9
d'épée qui nous dit que justement, en fait, vous êtes beaucoup plus libre dans votre pensée, dans votre capacité de réfléchir. On n'a pas d'autres arcanes majeurs, mais toutefois, on va en mettre une carte entre le page de bâton et ce 8 de bâton. Vous avez le 7 d'épée. On sent qu'il y a des informations rapides, il y a des dévoilements, il y a des révélations qui vous sont faites et ces révélations vous permettent de travailler, vous permettent d'agir, de construire, de finaliser. Avec beaucoup de sécurité, vous êtes en sécurité ici. On le sent que vous êtes en sécurité puisque vous êtes chez vous. Ensuite, vous avez, avec notre deuxième tirage, vous avez le 8 de bâton à nouveau. Vous êtes très très confortable avec les synchronicités ici, vous êtes très confortable avec ce qui arrive, ça vous donne l'envie, ça vous dynamise, ça vous donne de l'enthousiasme, ça vous donne vraiment ce côté « je continue de construire, je continue de bâtir, je suis tout à fait prêt, il n'y a aucun souci ». On sent que là, vous êtes complètement en accord avec ce qui se passe, c'est ça qui est intéressant d'entendre et de voir. Reine de coupe. La reine de coupe nous parle aussi de ce 8 d'épée, c'est-à-dire d'un cœur qui est libéré, d'un cœur qui est complètement en accord avec les idées en fait qu'il est en train de comprendre. Je pense que vous allez avoir beaucoup de révélations et de compréhension à travers le cœur. C'est le cœur qui va être votre guide là. C'est pour ça que je vous sens tout à fait à l'aise avec ce qui se passe. Vous êtes chez vous. 8 d'épée, effectivement, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre domaine, vous êtes dans votre monde, vous vous sentez chez vous et tout ça vous donne justement cette impression que tout va bien. Vous avez un moment de bonheur, de réussite, vous avez un moment de déconstruction d'une situation mais qui se fait très très aisément, très facilement. C'est très facile, c'est ça, c'est presque un jeu d'enfant. 8 de denier. 8 de denier, c'est vraiment un jeu d'enfant pour vous là. C'est tellement en accord avec votre cœur que tout se passe parfaitement bien. Parfaitement bien. Et vous avez l'ermite. Donc vous avez cette guidance intérieure, c'est pour ça que le cœur est très très important ici. Vous avez cette guidance intérieure qui vous mène justement vers la réalisation, la manifestation de quelque chose, qui vous mène vers ce magicien qui vous permet de vraiment produire quelque chose, mais avec beaucoup de simplicité et surtout avec le dépassement. Il y a une compréhension sur une situation difficile qui a été vécue et vous comprenez que maintenant vous pouvez définitivement fermer la porte, tourner le dos et passer à autre chose, passer au mouvement. Mais c'est très très enthousiaste là, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec beaucoup de simplicité. Vous avez la justice, excellent. Excellent. Une décision qui est très en accord avec l'opportunité. Vous êtes tout à fait en accord et puis en plus je pense que vous allez avoir le soutien des vôtres. C'est-à-dire celui de 10 de denier nous dit que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. Vous avez de la famille, des amis qui vous donnent un coup de main, qui vous aident à avancer, qui vous aident à vivre quelque chose pleinement. En fait, vous avez beaucoup de soutien là. D'épée, je pense que très très vite vous allez voir et vous ne voyez pas en fait la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir obtenir les résultats et les fruits de vos efforts. Vous avez le 6 de coupe et je pense que l'enfant au fond de vous va chantonner, va prendre du plaisir dans la réalisation et dans la rapidité de cette réalisation. Ensuite, Vous avez page de coupe. Page de coupe qui nous dit, voilà, s'il y a quelque chose qui se débloque au niveau du cœur, là. Au niveau du cœur, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, votre succès dans la matière, votre succès dans la vie de tous les jours, dans le quotidien et tout ça, ça vous procure beaucoup de plaisir, beaucoup de désir et ça vous procure un moment de bonheur, hein, tout simplement. Et là, ça débloque quelque chose au niveau émotionnel. Je pense que vous vous rendez compte du soutien que vous avez avec toutes ces personnes autour de vous, parce que je vois tout un monde autour, un groupe de personnes qui est autour de vous et en fait qui vous permet de passer le cap. Un cap, je pense, qui est pour vous important. Et ce passage, voilà, ça débloque quelque chose au niveau émotionnel. Il y a beaucoup d'abondance au niveau du cœur. Il y a beaucoup d'abondance au niveau des sentiments. Mais on sent que, voilà, le soutien, il y a vraiment cette chaleur du groupe. Et ce soutien du groupe, vous avez le 9 de coupe.
Waouh! À l'intérieur, il y a vraiment un vœu qui se réalise, 10 de coupe. Et c'est grâce à la présence d'un groupe de personnes qui vous soutient, qui vous donne un coup de main, qui vous guide. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font ces gens pour vous, mais vraiment, ils sont très très bien. La justice de coupe, oui. Oui, je pense que ça peut être une personne à l'extérieur qui vraiment vibre comme vous, mais quoi qu'il en soit, il y a un soutien émotionnel, sentimental, as de bâton qui chez vous provoque cet enthousiasme, ce désir, ce plaisir, le plaisir du moment, le plaisir dans ce que vous faites, le plaisir dans ce que vous réalisez. On sent que vous êtes complètement dans votre zone de confort. La roue de la fortune, as de coupe. Encore une fois. En fait, vous passez un cap et le fait d'avoir passé ce cap débloque quelque chose au plan émotionnel. 7 de bâton, quelque chose qui vous tient énormément, énormément à cœur. On va mettre une entre le 2 d'épée et ce page de coupe ou ce valet de coupe. 4 de coupe, c'est l'as de coupe qui vient ici. En fait, très rapidement, vous avez des résultats de vos efforts, de votre implication, et très très rapidement, en fait, vous avez comme si ça perçait, ça perce, il y a quelque chose qui va percer à la surface, et je pense c'est ce dévoilement, une émotion, un sentiment qui va percer, et parce que vous avez dépassé un cap, et ça vous permet de vous apaiser, ça vous permet de vous calmer. Juste sur ce 5, entre ce 5 et ce 2 de coupe, alors qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? On a ici 6 de deniers. Il y a un groupe qui vous soutient. En fait, vous passez un cap là. Vraiment, vous traversez quelque chose qui est définitif là, qui s'installe dans votre vie de tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour vous. Et vous avez continuellement dans ce tirage le soutien d'un groupe de personnes. Vous avez page de denier. Ce page de denier nous parle d'une opportunité, d'une possibilité qui met fin à une situation. Je pense que vous allez avoir une belle opportunité ici d'en finir avec quelque chose, de mettre un terme à une situation. Et vous le faites avec beaucoup d'aisance parce que ça éveille, ça réveille ce magicien en vous, ça éveille un certain nombre de connaissances. Et c'est pour ça que vous aviez le 7 d'épée, parce qu'il y a cette idée de connaissances qui sont éveillées, qui sont réveillées, qui vous aident à accélérer, à avancer, à progresser, qui vous aident à faire quelque chose avec beaucoup de plaisir finalement, parce que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez passé le cap et vous avez ce 5 de denier, le cap de quoi? Pas d'une situation délicate, d'obstacles. Il y a des obstacles qui sont levés, il y a des choses qui sont dépassées. Et tout cela, vous allez le célébrer avec un groupe de personnes. On sent qu'il y a une équipe là qui est avec vous, qui est autour de vous, avec qui vous allez célébrer ce bon moment de réussite et de succès. Parce qu'on sent que c'est un succès collectif. Exactement, 6 de denier. Vous voyez, 5, 6, il y a cette idée de succès collectif. Et vous avez le 8 d'épée qui vous parle justement de nouvelles idées, qui vous parle d'originalité dans les idées, qui vous parle de nouvelles créativités, d'originalité dans ce que vous faites. Je pense que c'est quelque chose qui peut être lié à votre vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes tout à fait ancré, vous êtes chez vous et il y a ce côté, vous êtes capable d'accueillir cette opportunité avec beaucoup de plaisir et d'aisance. Parce que je vous sens dans l'aisance là. Vous avez le fou. Waouh! Ce fou qui justement nous raconte que vous allez avoir cette possibilité d'initier un nouveau cycle. On sent que vous passez un cap, que c'est vraiment très très important ici. Célébrer ce nouveau début, ce nouveau cycle, ce quelque chose qui est vraiment pour vous fondamental, je pense. Chevalier de coupe, là, je crois que vous avez réussi. Vous allez réussir à stabiliser les choses dans l'émotion, dans la matière, dans l'action. Enfin, tout est en concordance parce qu'il y a une profonde transformation qui s'est faite au plan des sentiments, de l'émotion, au plan des ressentis. Il y a quelque chose ici qui est très, très simple au final et je vous sens très à l'aise avec vos propres émotions. 9 de coupe, vous êtes très très à l'aise avec vos ressentis, vous êtes très très à l'aise avec les événements, même si ces événements, je pense, vont s'enchaîner rapidement. Vous avez le monde, exactement, mais on sent que là,
vous allez pouvoir mettre un terme à une situation sans difficulté, sans problème. Le chariot, tout ça va relancer ou lancer un changement qui, je pense, est beaucoup plus aisé que ce que vous avez eu avec ce 5 de denier et ce 5 de coupe. Vous avez le valet d'épée ici avec le fou. Il y a peut-être début d'une formation, ou pour certains d'entre vous, en tout cas, vous comprenez que vous avez appris quelque chose. La révélation nous dit, ce 7 de d'épée nous dit qu'il y a une révélation qui se fait, et qu'il y a cette révélation qui, en fait, vous permet d'aller chercher cette créativité qui est en vous pour exploiter pleinement une opportunité, et notamment quelque chose qui, dans les émotions, est très très fort. Le pendu avec le magicien. Je pense que vous regardez autrement les choses. Il y a beaucoup de compréhension ici sur une situation, mais une compréhension qui provient du cœur. C'est vraiment, vous apprenez, et c'est ce que me dit le valet d'épée et la reine de coupe, vous apprenez ici à accueillir vos émotions, vos sentiments, et l'accueil ici est très très prospère en fait pour votre avancement dans la matière. Exactement, roi de denier, vous voyez, le roi de denier nous dit exactement ça, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus à l'aise, que vous avez dominé une difficulté, que vous avez dominé un obstacle, que vous avez dominé quelque chose de difficile, et que en fait vous êtes très très satisfait de vous-même. Et parce que c'est pas ça que vous avez envisagé, c'est pas ça que vous avez prévu, c'est pas ça que vous avez cru avoir, mais en fait c'est beaucoup mieux que ce que vous auriez pu espérer. Avec le monde, vous avez le 7 de bâton. C'est la fin d'effort. Hein. Là, c'est fin. Il n'y a plus d'effort à fournir dans cette situation-là, dans cette partie-là, parce que ce 6 de coupe nous dit que vous atteignez en fait vraiment un désir qui est très très profond. Je vais mettre une sur le 5 de denier parce que ça vibre énormément la prière. Alors pourquoi? Pourquoi la prière? La lune, nécessité de se connecter avec son monde intérieur. Là, je pense pour vous, un nouveau défi à venir, parce qu'à l'extérieur, ça semble bien, c'est de vous reconnecter avec votre monde intérieur, les amoureux. Je pense qu'il y a quelque chose ici, vraiment à travailler à l'intérieur de vous. Il y a une décision qui va peu à peu émerger. On me dit la nécessité d'une décision, la nécessité de prendre une décision. Avec la lune, 8 de coupe. Je pense que comme vous avez atteint un seuil, comme vous avez passé un cap dans la matière, vous avez levé les obstacles, vous avez fait le deuil, là, émotionnellement, il y a quelque chose à purifier. En fait, ça va revenir vers vous. 10 d'épée, et il ne faudra pas lutter, il ne faudra pas essayer de changer quoi que ce soit, il faudra faire avec. Parce que plus vous allez dans cette énergie-là, plus il sera aisé pour vous, exactement, d'ouvrir votre cœur et d'aller chercher ce quelque chose de nouveau, ce quelque chose qui va vous relancer sur un nouveau chemin, parce qu'on sentait qu'il y avait ce côté changement qui va s'imposer à vous. Ce valet de bâton nous dit, vous allez vraiment devoir marcher avec votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que vous allez devoir écouter ce désir qui est au fond de votre cœur et de votre âme, et vous allez devoir le mettre en mouvement, c'est-à-dire le manifester par votre propre action. Oui, par votre propre action. Et ne pas être dans la prudence, ne pas s'enfermer dans quelque chose qui pourrait vous détacher de vos propres émotions, qui pourrait vous détacher de vos propres ressentis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le risque de détachement de quelque chose de pur et d'intériorisé. Parce que le succès à l'extérieur est très très beau. Et même très très bon, matériellement, ça va beaucoup mieux, j'ai l'impression. Alors, un petit message pour votre âme. Vous avez la nature et son allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Et ça, c'est l'as de coupe. Ça vibre avec l'as de coupe et la lune. Vous avez besoin de vous relier à vous-même. À une part de vous, peut-être, je pense, qui est restée un peu en coulisses là pour l'instant, parce qu'il fallait vous concentrer sur le passage, sur ce passage de cap là. Et là, vous allez pouvoir finir quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de succès, avec beaucoup de réussite. Et là, on vous demande justement de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et ça,
ça va pas être une mince affaire pour vous, je crois. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.